Salut, c'est Jean-Jean Bonjour, tout en même Jean contre la Caillou à Genetech. Nous venons continuer avec les champs informatiques. Et j'en ai parlé dans la troisième leçon. Leçon 4 a gain pour titre connecteur et connexion informatique. Côté que nous présentons au câble et à connecteur. En fait, matériel informatique pour relier périphérique, comme nous avons regardé dans la leçon 3, supposé gagner câble qui fait jonction. Câble lui-même et c'est fil là qui ensemble qui connecté d'extrémité autour le câble tout court. OK? Et puis connecteur c'est censé et petite tête qui peut faire jonction. C'est ça qui femelle prise, c'est ça qui femelle avec ça qui mâle. Et câble yo gen plusieurs types. C'est de ça nous allons parler dans la quatrième leçon. Normalement, qui ça qui c'est un connecteur? Un connecteur, c'est une interface qui permet de relier l'autre matériel à un outil informatique avec aide d'un câble. Gain entrée, qui est in, put en anglais, gain sortie, qui est output. Généralement, il est composé d'un prise mâle qui lui-même va le connecter à une prise femelle. On regarde sur l'image là, ça c'est prise mâle là. Et ça, c'est prise femelle là. Mais ça va empêcher tout gain des prises qui dit que c'est des prises hermaphrodites qui viennent qui donc les prises mâles et femelles en même temps. On continue. Il existe plusieurs types de connecteurs. Le connecteur informatique, le connecteur audio avec vidéo, le connecteur réseau et le connecteur vidéo numérique. Comme exemple de connecteur informatique, nous gagnons DB9. DB9 là, c'est un câble qui permet de relier appareil en série. Normalement, il y a les câbles série. Là, c'est DB25. DB25 là, il y a un ballon parallèle tout. C'est presque même bagaille là. Il y a même opération avec câble DB9 là. Cependant, il y a l'autre opération supplémentaire qui c'est connexion interface qui relie imprimante dans longtemps. OK? De nos jours, câble ça censé pas utilisé encore. Ou pas presque génial sur nouveau matériel informatique et ordinateur, vous voyez. Là, c'est PSD. PSD, qui s'alterait, c'est un câble qui permet de connecter avec l'unité centrale, la souris, ensemble avec clavier. VLAN pour souris, MOVLAN pour clavier. Un câble qui est censé disparaître tout, parce que il peut être remplacé par USB. Et il existe plusieurs types de USB que PDF on a parlé de ça. Comme ça, lui-même, il est le FireWire. Vous pouvez trouver le plus souvent dans l'ordinateur Macintosh. Il y a un qui a 6 pins, pin, ça pin ou Bosch. Et puis, il y a un qui a 4 pins. Non, dans le français, on dit Bosch. Même genre pour nous tous, nous, on dit Bosch. FireWire, lui-même, c'est un câble qui permet tout. Et fait transfert fichier numérique à grande vitesse. Il est très utilisé surtout dans la caméra vidéo numérique. Pour nous finir, nous avons Thunderbolt qui sont nouveau type de câble qui utilisent tout. C'est toujours dans transférer des fichiers à grande vitesse. On va continuer. On a parlé de connecteurs audio à vidéo. Normalement, connecteur audio, j'en ai regardé forme jack ça là lui-même. Donc, on a habitué ouais, style de câble de jack ça. Gain qui plus ou moins pas trop ressemble à l'autre, soit augmentation dans tiba noir ça. Mono et stéréo. Bon, ça, c'est pas là besoin. Allez, sauf que n'a dit nous que câble ça lui qu'on fait office d'entrée et qu'on fait office de sortie. Tout. Et n'a regardé femelle, pas femelle, j'en ai regardé un là. On a in qui veut dire entrée et puis out qui c'est sorti. Et des fois, tout est utilisé pour connecter microphone comme périphérique entrée. J'en ai expliqué dans la leçon passée. Il y a des micros qui sont connectés avec USB. Comme ça, tout, il y a des micros connectés avec jack. Et pour connecter à jack, c'est avec un port femelle ça qui peut permettre que vous connectez. Et dans l'unité centrale. Là. Et puis là, on a regardé, ça c'est un câble vidéo qui est le VGA, il permet de transférer l'image
de unité centrale à écran ordinateur là ou à quel que soit le type d'écran qui gagne un port femelle qui va recevoir signal vidéo. Connecteur réseau. Parmi connecteurs réseau, nous gagnons deux câbles. RJ11 et RJ45. Yo pratiquement la même forme. Okay? Cependant, différence là, c'est que RJ11 est même plus petit. Le plus souvent utilisé pour les lignes téléphoniques, il utilise le câble RJ11. Quant à RJ45, lui-même, le plus utilisé pour connexion, pour partager des données et Internet. OK, le connecter sous modem pour permettre et une unité centrale là, recevoir signal, Internet, tout ça. Nous gagnons connecteur vidéo numérique. Connecteur vidéo numérique, parmi connecteurs vidéo numérique, nous gagnons DVI, qui c'est en anglais, qui c'est Digital Video Interface. Son câble qui, même genre ensemble avec VGA, transférer des images, okay, qui transférer des images à l'écran. Gagne un peu l'ordinateur qui gagne type de connexion, ça, mais de nos jours, il est censé disparaître. Pour quitter place li à un câble qui est plus performant que le HDMI. HDMI qui c'est High Definition Multimedia Interface. Et lui-même, lui permet de transférer non seulement image, non écran, et lui permet tout ou faire transfert son. Lui transférer image et son en même temps. Qui est différent de ni VGA ni DVI-A qui ont même fait des transferts d'image simplement. Et de nos jours, censé, quand ça va disparaître, quand DVI est censé disparaître, c'est HDMI qui prend place li. On va continuer. Qu'on y a, nous parler où de type USB. J'ai noté, ouais, puis devant, c'est que USB en lui-même, il y a plusieurs types là-dedans. On te dit, nous t'a privé, puis devant, vous m'expliquez ça. À noter que ce n'est pas celle USB qui gagne l'autre type là-dedans. Et l'autre connecteur autour, tant coup HDMI, ensemble avec Thunderbolt et Firewire, je vais nous présenter là, lui-même, il gagne deux types là-dedans. Il gagne l'autre type dans le format micro. Et, ok? L'autre connecteur gagne l'autre type là-dedans. Tant coup HDMI qui, parce que ça, c'est gagne cinq types. Standard, il gagne dual-link. Gain micro, gain mini tout. Mais nous pas battre bêta ou même si vous avez besoin de connaissances, vous pouvez toujours faire une recherche là. Ok? Nous avons privé puis devant vous expliquer ça. Eh bien, USB a un type A, un type B, un type C. On va identifier rapidement sur l'image à vous. Là, on va regarder là, USB type A, ok? USB type B, et puis USB type C. Nous gagnons mini USB que nous-mêmes longtemps nous connaissons le câble V3. Téléphone Motorola, t'es voyeur, t'es gagné un port comme ça. Et nous t'es tout bal en non par rapport avec un Motorola que c'était Motorola V3. Ici, on connaît le câble ça. Câble V3. Et puis nous gagnons micro USB lui-même qui sont câbles qui très, 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 très utilisés que nous tous connaissons ça. Que c'est micro USB. Ton pile mon a utilisé de nos jours, c'est un câble utilisé dans le téléphone intelligent. Yo. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Et puis là, lui-même, c'est micro USB B. Il parle non tout, super speed. Pour téléphone, yo-même, téléphone intelligent avec tablette, mais comment câble représenté? Normalement, USB, hein, c'est lui-même qui fait la jonction. Hein, comme si, il compte faire la jonction. Entre ordinateur là, unité centrale là, des fois sous besoin de connecter un téléphone, ou à utiliser USB pour connecter dans unité centrale là. Là, ça lui-même, c'est tout câble qui compte connecter dans le téléphone. Différents de câbles audio, le même qui gagne un office pour faire son sortie. Après ça, on va retrouver micro USB et USB type C qui viennent avec génération. Nouveau téléphone intelligent, yo, donc Samsung S9, yo.
MicroUSB lui-même qui utilise la majorité des téléphones intelligents. Et puis, il y a Lightning qui paraît dans le dernier modèle iPhone. Et puis, V et 4, ça n'a pas gardé là. C'est câble USB qui a été utilisé pour ancien iPhone. Donc, ou iPhone 3G, 4G, etc. Je pense que nous pratiquement dit essentiel de tout type de câble qui est intelligent et de plusieurs câbles qui utilisés dans le système informatique. Non? Mais n'empêche que il y a l'autre câble toujours que nous pas trop parler de yo, bon, qui pas c'est pas important mais qui nous pas trop rencontrer avec dans le domaine nous doit y nous pas trop croiser avec câble ça yo, mais majorité câble nous se présente là c'est des câbles que on a pu retrouver dans pile matériel qu'on a pu utiliser dans le téléphone et monde qui a pu utiliser ordinateur. Mais il y a l'autre câble toujours. Et j'en ai dit là, il y a un pile dans le câble de notre moto là qui pas trop utilisé, laisser place avec l'autre type de câble. Et présentation et interface femelle, comme si prise femelle, il paraît comme ça dans la majorité ordinateur. Et dans le dos, vous regardez au carré là, ça c'est DVI, hein? Ça c'est femelle. Là, lui-même, c'est VGA, vous connectez l'écran. Et puis là, c'est USB, okay? C'est port USB. Il y a plusieurs ports USB dans l'image que nous prenons. Là, lui-même, c'est pour RJ45, okay? Alors, vous mettez en réseau et puis connexion Internet, RJ45. Et puis là, c'est type de port femelle pour jack. Okay. Mic, microphone, entrée, sortie. Et puis là, c'est PS2, souris, et puis clavier. Bon. Support ça, c'est presque disparaître pour laisser place avec USB parce que je pas trop voyé souris. Mais y a pas trop commercialisé souris qui vient type de port ça encore. Il y a plus voyez souris avec USB. Et dans cette image en bas là, on a regardé port ça qui c'est parallèle là. Il y a un début 25, mais comme ça, il est parallèle. C'est une interface et c'est un port qui permet de connecter imprimante. Mais c'est tout. Pour ça, je dis, disparaître pour laisser place avec des ports qui plus rapides que eux. Donc, et USB qui est censé remplacer pour parallèle dans Ethernet, HDMI qui remplace DVI totalement. Et puis, VGA toujours là pour connecter l'écran, mais n'empêche que ils utilisent HDMI pour capable connecter l'écran tout. OK? Et c'est là que nous avons mis fin avec la vidéo présumée. Nous vous remercions même qui t'a suivre leçon 4 là. Et nous gagnons pour nous publier très prochainement leçon 5 là. Comme nous connaissons, c'est presque chaque vendredi. Et vendredi passé, nous n'avons pas de temps de publier leçon 4 là suite avec des petits contrats qui ont été gagnés. Mais nous avons fait façon à ce que vendredi prochain, Légion 5 ans pour déjà disponible pour nous. Et ceci nous parler des constituants de l'unité centrale. Comme si tout ça qui fait l'unité centrale. L'unité centrale, nous avons plein de composants dans okay? Nous parlons de détails pour vous dans Légion 5 ans. Merci vous-même qui avez suivi la vidéo. Ça, et pas hésiter à abonner avec la chaîne là pour qu'à toujours recevoir les leçons dans le moment de la publier. Et bâillez un pouce sur mes vidéos. Hein. Ajoutez des commentaires. Et dans les commentaires, nous ouverts, nous allons recevoir des questions, si vous avez des suggestions. Si vous n'avez pas apparaître apparaît trop clair pour vous, toujours laisser ça dans les commentaires. Hein. Et nous-mêmes, nous venons avec des éléments. Et de réponses, d'explications qui pour éclairer parce que nous faisons pour un objectif pour aider tout le monde qui t'a amené à connaître cette information. Ciao, à vendredi.